On est au Festival des Jeux d'Istres avec Magali Villion qui va nous présenter un jeu qui s'appelle Bulzen. Bonjour Magali. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne ton jeu ? D'abord le pitch, c'est-à-dire on est dans quel thème ? Voilà, je te laisse. Alors, c'est un jeu sur le thème des émotions et des états qu'un enfant peut rencontrer dans la journée. Voilà. Donc là, on est sur le jeu de loi un peu. Hein. J'ai choisi volontairement une base de jeu de loi parce que c'est un jeu qui parle à une majorité de personnes et surtout aux enfants. C'est un jeu pour combien de personnes et à partir de quel âge ? À partir de 5 ans jusqu'à 11 ans et de 2 à 6 personnes. Voilà. Pour une durée estimée de ? 25 minutes à peu près. D'accord. Explique-nous comment ça marche avec les pions, le parcours et quand est-ce que ça se termine et que font les joueurs pendant le parcours. Alors, donc, le jeu est simple. Il suffit de lancer le dé, avancer le chat et quand vous tombez sur une case émotion, vous piochez une carte action. Donc, c'est un jeu évolutif de 5 ans à 6-7 ans, quand la lecture n'est pas encore acquise, on va jouer uniquement avec la carte mime et la carte dit. D'accord. Donc vous piochez et vous respectez les actions. À partir de 7-8 ans, quand la lecture est fluide, on va intégrer la carte trouve son contraire et trouve son double. Voilà. Donc ensuite, quand on tombe sur une case rouge, il suffit de piocher une carte émotion et tout le monde doit mimer émotion. Et quand on tombe sur une case noire, eh bien, il faut faire deviner l'émotion piochée. Tout simplement. Ensuite, si on arrive à la base d'une échelle, on gagne du temps en montant directement. Donc c'est un jeu qui est découpé en trois parties car l'attention d'un enfant est limitée à 15 minutes quand ils ont 5 ans. Mais la fin du jeu est ici. Le premier arrivé à la Bulzen a gagné la partie. D'accord. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à partir de 7-8 ans, on peut se servir donc, pour la carte trouve son double et trouve son contraire. On peut se servir de la roue des émotions, ou c'est un mémo qui aide à se rappeler et à comprendre, donc à trouver le double et les contraires. Voilà. L'objectif du jeu, c'est d'apprendre aux enfants à vivre avec leurs émotions, avec les émotions des copains, et de les comprendre. Et de savoir dire non en cas de conflit aussi. Et avoir du vocabulaire. Voilà. Mais merci pour cette présentation, Magali. Et puis, bonne chance pour ton jeu. Merci. Merci, au revoir.